Salutations, enfants de la nuit. Bienvenue dans Tokuscope, votre émission sur la science-fiction japonaise et le tokusatsu. Comment allez-vous, mon cher comte Jordan ? Eh bien, écoutez, nous tournons une spéciale Halloween, donc tout va bien. Et de quoi allons-nous parler dans cette spéciale Halloween ? Eh bien, nous pourrions vous parler de Dracula ou de momie. Ou de loup-garou ! Mais nous avons décidé de vous parler du monstre ultime, la création de l'enfer. L'esprit de Mary Shelley accoucha il y a 200 ans du monstre de Frankenstein. Et oui, puisque le monstre de Frankenstein a eu droit à certains films japonais, donc notamment par le studio Toho, donc c'était l'occasion de revenir un peu sur cette, sur cette créature tout et sur ces films japonais. Il y en a eu deux. Et oui, puisqu'on va vous parler donc dans le Toku Focus de Frankenstein Conquers the World. Aka Frankenstein versus Baragon aussi. Et, oui, et de sa suite, la guerre des monstres, donc War of the Gargantuas. Tout à fait. Dans la Tokucave, nous vous parlerons d'un objet en lien avec cet univers. Un grimoire. Et enfin, dans le Dikotoku, nous vous parlerons du producteur de ces films et de beaucoup d'autres films de Kaiju. Mais pour l'heure, c'est le Toku Focus. L'histoire de Frankenstein au Japon remonte des années avant la production du film, et surtout ça remonte aux États-Unis. Pour faire une petite histoire rapide, le célèbre animateur Willis O'Brien a l'idée d'un scénario d'un nouveau film King Kong, King Kong contre Frankenstein, ou King Kong versus Prometheus, ça dépend des sources, et l'idée donc c'est d'opposer King Kong, enfin un nouveau King Kong, à la créature de Frankenstein qui là serait devenue géante. En fait, c'était l'idée que d'avoir un descendant des Frankenstein qui crée une nouvelle créature à base de morceaux d'animaux. Il y avait une autre version qui s'appelait Frankenstein versus the Ginkgo aussi, qui était une autre version du scénario. Et le final du film devait se passer à San Francisco, où les deux créatures devaient s'affronter. Tout à fait. Donc, ce film, enfin ce projet de film, va être un petit peu saisi comme ça par un producteur peu scrupuleux, donc John Beck ouais. qui va voir ça d'un très bon œil, puisqu'il va s'accaparer le bébé, il va essayer de le vendre à tous les producteurs américains. Personne n'en veut, donc il se dit on va aller au Japon. Avant ça, il va faire une retouche du scénario par le scénariste de Them, Les Monstres Attaquent la Ville, George Worthing Yates, voilà, petit détail comme ça. Mais c'est vrai que le script va être énormément retouché, le bébé de O'Brien va plus ressembler à rien du tout, mais il va se dire, on va proposer ça aux Japonais. Et donc l'idée, c'est de faire un film donc, de King Kong contre Frankenstein au Japon. Et la Toho aime bien l'idée. On en a une meilleure. Mais ils se disent, mais vous savez, on a un petit monstre quand même qui s'appelle Godzilla, et dans ses films, il affronte des monstres. Donc, on va faire un film qui va s'appeler King Kong contre Godzilla. On va substituer Frankenstein à Godzilla, ce qui explique que des fois, le film est un peu bizarre, hein, quand même. Alors, c'est bizarre parce que Godzilla est censé remplacer Frankenstein dans l'idée, mais c'est quand même King Kong qui a le pouvoir de se régénérer en absorbant de l'électricité, voilà. Ce qui est un petit peu bizarre. Donc, le film fonctionne, très gros succès. Bon, voilà. Il décide de faire une espèce de suite qui serait cette fois Frankenstein contre Godzilla. Oui. Mais le problème, c'est que le scénario ressemble un peu à rien, puisqu'il est encore question que Godzilla, notamment, soit découvert dans un bloc de glace, ou ce genre de choses. Donc, ça traîne en longueur, ça devient assez difficile à faire. Et ça se fera jamais. Et ça se fera pas. Donc, après, il est question d'intégrer Mothra à l'univers de Godzilla, donc ça donne Mothra contre Godzilla. Mais le personnage de Frankenstein, cependant, ne reste pas seul très longtemps, puisqu'il est question de reprendre ce scénario de Frankenstein contre Godzilla, et puis on va en faire un film qui s'appelle Frankenstein Conquers the World. Donc cette fois-ci, toi qui vas nous présenter le pitch. Oui, en fait, tout à fait. Donc la Toho avait embauché pour ce projet-là Takeshi Kimura, donc alias Kaoru Mabuchi à l'époque, qui était on va dire le script des films sérieux entre guillemets de la Toho. Il y avait deux scénaristes à l'époque. Il y avait Shinichi Sekizawa qui était plus pour les films familiaux, les films type Mothra contre Godzilla ou King Kong contre Godzilla, et lui.
Kimura, donc Kaoru Mabuchi, lui, il était scénariste sur Rodan, sur Matango, donc lui, il était plus dans la veine sérieuse. Et donc, pour ce film-là, ils vont faire quelque chose qu'ils n'ont jamais fait jusqu'à présent, c'est qu'ils vont faire un film qui mélange la réalité historique avec un soupçon d'Uchronie, et ils injectaient le mythe de Frankenstein en plein milieu. Donc, l'histoire commence en Allemagne en 1945, donc la guerre commence à voir la fin. Et on a un scientifique qui met le cœur du monstre de Frankenstein dans une caisse, qui est rapatrié donc par des SS dans l'océan. Et en fait, le cœur est récupéré par un sous-marin japonais qui achemine le cœur jusqu'à Hiroshima, qui atterrit donc dans un hôpital à Hiroshima au moment où la ville se fait bombarder. C'est ça. Et le récit jump une quinzaine d'années plus tard, où on suit un groupe de scientifiques qui soignent les victimes donc des bombes nucléaires. Donc, et ce qui est intéressant, c'est que c'est un Américain et une Japonaise. C'est un duo. Et là, on a un monstre adolescent, donc une sorte de monstre de Frankenstein adolescent qui ressemble plus à une sorte de monstre, enfin de créature. Ça ressemble à un enfant sauvage. Un enfant sauvage mêlé d'hommes de Cro-Magnon, mêlé effectivement du monstre un petit peu à la Boris Karloff, qui commence à faire parler de lui, mais il n'est pas vraiment méchant, il est juste dans son coin, mais il tue des petits lapins, des trucs comme ça pour manger. Et puis bien sûr, le script est assez compliqué puisque il va être recueilli par les scientifiques qui vont l'analyser. Sauf que il a une anomalie, c'est qu'il grandit très rapidement. Donc suite à son exposition, voilà. Radiation. Donc il devient géant assez rapidement et il décide de fuir la ville parce qu'il est traqué par les militaires, enfin par les scientifiques, les journalistes et tout ça. Donc il n'est pas du tout accepté par le monde contemporain comme le veut le mythe de Frankenstein, hein, où la créature est forcément bannie, isolée des hommes. Donc il va trouver refuge dans la montagne, encore une fois comme le mythe de Frankenstein, où il va s'isoler dans la forêt. Et c'est là qu'il y a un autre monstre qui apparaît dans le récit qui s'appelle Baragon, qui est une créature reptilienne souterraine et vaguement amateur de chair, même carrément amateur de chair. Voilà. Donc c'est un script qui est extrêmement compliqué, qui est scindé en plusieurs actes très très, très 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 spécifiques. C'est un film qui se renouvelle assez rapidement alors qu'il dure une heure et demie quand même, il est assez court. Alors il faut savoir aussi que ce film-là, c'était le premier, si je me souviens bien, c'était le premier film d'un partenariat entre Lato et une boîte de prod américaine qui s'appelait UPA, qui était dirigée donc par Henry Saperstein. Et ils avaient fait un deal de plusieurs films, donc qui allait comprendre celui-ci, Invasion Planet X et War of the Gargantuas, dont on va vous parler après. Et les stars de ces deux premiers films, donc Frankenstein et Invasion Planet X, c'était Nick Adams, donc on retrouve en vedette américaine. Ekumi Mizuno, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut dire sur le film, Jordan? Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu as à dire dessus? Eh bien déjà, moi j'aimerais juste parler du prologue, parce que il faut s'arrêter sur ce prologue. C'est la seule fois où on parle clairement de bombes atomiques et où on la voit physiquement à l'écran, enfin on voit les origines des kaiju à l'écran, c'est la seule fois où on le voit clairement, c'est la seule fois où on parle clairement de la guerre, des nazis et tout ça, parce qu'à un moment ils mentionnent clairement Hitler. Oui, tout à fait. Aussi. Et c'est là où on voit que, selon moi, seul Honda aurait pu réaliser ce film. Ah ben ça... Et ça se voit, rien que dans ce prologue, ça se voit. Ce qui est intéressant, c'est que le début commence en Allemagne, et ce qui est intéressant, c'est que les cinq premières minutes de film vous donnent une idée d'un film gothique éventuellement réalisé par Honda. On avait ça avec Matango, mais là c'est vrai qu'on est vraiment dans l'imagerie gothique pure, hein, parce que ça se passe dans un château avec des douves, un laboratoire et tout ça, et on se dit j'aimerais bien voir un film d'une heure et demie que dans ce type de décor là. C'est vrai que par contre les acteurs qui sont choisis ils sont pas top, ils ont fait un petit peu des caisses, mais bon, c'est pas très grave. C'est vrai que ce qui est intéressant, c'est à la fois de mêler cette histoire de science-fiction, de cœur acheminé d'un pays à l'autre, et de greffer Hiroshima au milieu. Donc ça, on est vraiment dans l'Uchronie, hein. Je crois que c'est une rare fois où Lato va faire ça. Je pense qu'il faudra attendre le Godzilla versus King Ghidorah de 91 pour mêler comme ça guerre et science-fiction en 1945. Mais ce qui est intéressant, c'est que Honda le fait toujours avec énormément
c'est à la fois très frontal et en même temps il y a beaucoup de goût. C'est-à-dire on va pas montrer les hibakusa, c'est-à-dire les gens atteints de radiation. Oui. On va plutôt montrer genre des jeunes filles malades. Il y a cette scène dans l'hôpital où on voit les jeunes filles en train de se faire soigner. Il y a des choses très poétiques parce qu'il y a un personnage secondaire, enfin même tertiaire, qui est présenté dans le film. On s'attache à elle et après elle meurt. Oui. Sauf que on nous montre pas ça, son décès. On nous montre un objet qu'elle a fait. Donc un oreiller qu'elle a fait pour les personnes qui la soignent, et il y a une ellipse qui dit ah bah ça fait déjà un an qu'elle nous a quitté, et on voit le coussin en or qu'elle a fabriqué seule. Donc il y a un côté très doux au début dans le film avec sa relation par rapport aux victimes finalement de la bombe. Je trouve que c'est un film qui est vraiment quand même dans l'ensemble assez bien écrit. Visuellement, je trouve que ça fait partie des derniers gros films énormes de Tsuburaya. Parce que vraiment, il y a un boulot sur les maquettes. Alors, les maquettes montagnardes sont vraiment extrêmement détaillées. Vous avez des parterres d'arbres, des champs entiers qui ont été construits. Il y a même des petites fermes. À un moment donné, on voit des sangliers, des arbres. C'est, en termes de maquettes, ça va extrêmement loin. Et même au niveau des monstres, il faut bien se dire, par exemple, que le monstre de Frankenstein, ce n'est qu'un homme à moitié nu qui porte finalement que très peu de vêtements. C'est-à-dire, on n'est pas dans le cas d'un monstre à la Godzilla. Là, pour le coup, on passe au stade au-dessus. C'est-à-dire que là, on peut se permettre d'avoir des humains géants. Oui. Chose qu'on retrouvera notamment dans un épisode d'Ultra Q, où tu avais un humain aussi qui était grand. Donc ça, déjà, j'ai trouvé ça intéressant. Tu as vu, juste pour compléter ce que tu dis, vu que la créature passe à différents stades de croissance, la séquence où il est dans la ville, où il s'échappe, les maquettes sont construites de telle sorte à ce que lui soit grand, mais quand même à son échelle. C'est vraiment très très bien fait. Il y a des maquettes de différentes tailles. Tout à fait. C'est une des rares fois où j'ai vu ça. Il interagit directement avec. Et ce qui est génial aussi, c'est qu'il n'a pas à changer la vitesse de défilement de la caméra, puisque là, on le voit se mouvoir. Et puis c'est censé être un adulte, entre guillemets, normal. Donc du coup, ça pose pas de problème de le voir déambuler comme ça dans les maquettes. Moi, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est la psychologie du monstre de Frankenstein. C'est-à-dire que là, encore une fois, on est clairement dans le cinéma d'Honda. C'est-à-dire on suit un personnage qui, au final, a peur et qui est une anomalie de la nature, qui n'est pas un monstre au sens tel qu'on le définit aujourd'hui, mais qui est vraiment un monstre à la Honda, c'est-à-dire une créature qui a perdu ses repères dans ce monde. Ouais, c'est vrai. Et autant dans Godzilla, on peut oublier ça, autant bizarrement dans ce film, ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite et moi, quand je vois ça, ça me marque à chaque fois que je le vois. Quoi. Ouais, c'est plus dans cette catégorie. Il me fait surtout penser au personnage de The Human Viper, qui sont des personnages qui ont des facultés, mais qui ne peuvent pas exister dans cette société urbaine à outrance parce qu'ils sont différents et ils sont rejetés directement. Il y a une séquence qui est géniale dans le film, c'est que quand le monstre de Frankenstein va se réfugier dans la montagne, il cherche à manger et il essaie de faire le vide autour de lui pour qu'il puisse chercher à manger. Et à un moment donné, il regarde en bas et il voit dans la ville que les militaires sont en train de s'organiser pour venir le choper. C'est ça. Alors, et 5 minutes avant, on le voyait essayer de mettre en place un piège pour un sanglier qu'il essayait de choper pour pouvoir manger. Et là, il réalise que ça ne va pas pouvoir se faire parce qu'il y a les militaires qui vont débarquer. Donc, il essaie justement, là, au contraire, d'envoyer le sanglier vers les militaires pour détourner l'attention. Et je me suis dit, cette scène, elle est quand même assez très, très belle et très, 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 très subtile. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que tu ne sais pas fondamentalement d'où il vient. C'est que, alors, il y en a qui disent qu'en fait, c'est ce petit garçon qui a mangé le cœur du monstre. D'autres que c'est le cœur qui aurait muté. Alors, et dans le film, c'est jamais expliqué. Ça n'est jamais expliqué. Sait juste qu'il est là. Il est là, c'est juste qu'il y a un lien avec ce cœur. C'est pas très clair, c'est pas très précis, mais ça reste un film extrêmement bien réalisé. Ce qui est intéressant, c'est que pour une fois, les Américains, enfin l'Américain en tout cas de service, le Gary Jean, Nick Adams, est présenté comme un personnage fondamentalement positif, qui a envie de s'intéresser au Japon, qui a envie de s'intéresser à leur culture, et qui est vraiment humaniste, puisqu'il soigne les gens parce qu'il a de l'empathie pour les gens, et en même temps les gens lui rendent bien.
Il y a des échanges très beaux entre lui et Kumi Mizuno quand elle l'invite chez lui. Et donc, ils se font à manger et donc, du coup, ils rigolent sur, les, sur la culture de leur pays respectif. Alors qu'on a un troisième personnage qui, normalement, aurait été positif, qui est le personnage du médecin japonais, oui. qui est représenté comme, un, comme une espèce d'ordure. C'est ça. Qui n'arrive pas à gérer cette situation et qui pense qu'il faut disséquer le monstre de Frankenstein parce qu'il est méchant et tout. Et c'est intéressant que pour une fois, on est... Parce que en plus, l'acteur qui le joue, Tadao Takashima, c'est un mec qui jouait en général les héros, les mecs positifs, les mecs fun. Là, il joue le rôle d'un mec super trouble, super ambigu. Et du coup, ça rend le personnage assez... assez intéressant, et du coup, il est tout le temps exclu du trio, toujours de côté, c'est toujours le mec qui merde. J'aimerais parler de Baragon, parce que Baragon a un traitement très intéressant dans ce film, c'est-à-dire c'est la première fois qu'on le voit d'ailleurs, déjà, Baragon. C'est la première fois qu'on le voit, mais surtout, bon déjà, il faut se dire que c'est un repompé de Godzilla, puisqu'ils ont réutilisé le script de Frankenstein contre Godzilla, ce qui explique pourquoi c'est une créature reptilienne qui crache du feu, et tout ça, mais moi, ce que j'aime, c'est que au début, chaque action qu'il fait a des répercussions sur la relation entre les humains et le monstre de Frankenstein. Oui, parce qu'il pense, et je vois que c'est lui qui a fait ça. Voilà, et c'est une des rares fois où on a vu ça aussi. C'est vrai. Je trouve ça super intéressant qu'on ait cette ambiguïté comme ça sur la nature du monstre. C'est-à-dire que du fait d'avoir Baragon qui mange des vaches, qui sème la terreur partout... On s'intéresse, enfin les scientifiques et militaires s'intéressent au monstre de Frankenstein. Ils ne savent pas qu'il y a Baragon qui est apparu. Et obligatoirement, ils pensent que c'est lui qui a tout fait. Et en termes de scénario, j'ai trouvé ça intéressant. Oui, le petit propos c'est intéressant. Ça rajoute de la psychologie au personnage et je trouve ça bien en fait. La logique de malentendu, le sentiment de malentendu fait aussi partie du mythe de Frankenstein. C'est ça, et du coup, on appuie bien sans que ce soit trop gras. Enfin, tu vois, ça reste tout en subtilité, mais j'ai trouvé ça bien. La fin qu'ils ont choisie était finalement assez classique, mais juste pour dire que le combat final qui se déroule dans une espèce de mer de flammes en montagne, je crois que c'est une des plus belles séquences finales des films de cette époque-là, des films de l'ère Showa, vraiment une espèce d'apocalypse comme ça en forêt où tu sens que la nature va être complètement cramée. C'est très très beau, c'est très très beau. En termes d'effets spéciaux aussi, moi je retiens surtout les interactions avec les humains. C'est qu'on a rarement un tel degré d'interaction entre les humains qui, du coup, sont miniatures à l'écran et le monstre qui est gigantesque. On retrouvera aussi dans la suite War of the Gargantuas, mais là, on est déjà là-dedans et je trouve ça intéressant. Je me dis, tiens, Tsuburaya, il a encore trouvé des petites ficelles comme ça pour créer des interactions. La musique d'Ifukube aussi, bon, toujours au top. Ouais, splendide. La photo de Hajime Kozumi, toujours aussi bien. Tout est bien dans ce film. Non, moi, c'est un film que j'aime beaucoup ce film. Que j'adore, je l'ai vu assez tardivement, je l'ai vu peut-être il y a 10 ans à peu près. Et quand je l'ai vu, j'ai été tellement surpris parce que pendant des années, on le vendait dans les bouquins comme une espèce de nanar, comme un truc un peu plus et tout ça. Et j'ai été vraiment très très surpris par l'innovation des effets spéciaux. Vraiment, bon, on était déjà habitué à avoir l'excellence chez Tsuburaya, mais là, je trouve qu'il y avait des choses, justement par cet humain géant qui permettait de filmer différemment le gigantisme. Il y a ce plan génial où il apparaît en plein milieu d'une route de campagne, en pleine nuit, alors que Nick Adams et l'autre qui sont en train de... Et on les voit dans le même plan. Exactement. Et c'est on vraiment, voit la voiture et lui... C'est vraiment splendide. Je pense que c'est un de leurs travaux les plus aboutis. Et on sent effectivement que Honda était vraiment concerné par ce scénario, qu'il avait vraiment envie de faire le meilleur film possible. Moi, c'est un film que j'adore. Rapidement, on va juste vous parler du DVD de ce film, du DVD américain, parce que le film n'est pas sorti en France. Il est passé à la télé il y a une dizaine d'années sur Ciné Classics. Ouais. C'est comme ça que je l'ai vu d'ailleurs. Pourquoi on vous parle de celui-là? Parce que ce DVD est super intéressant, puisque le film est proposé dans ses trois montages. Donc vous avez le montage cinéma japonais, le montage international qui a été fait par Lato pour le vendre à l'international, et vous avez la version américaine, qui, pour le coup, n'est pas fusionnée avec la version japonaise. Ce qui fait que vous avez vraiment le film dans sa version sale, le carton-titre américain, avec le carton-titre américain. Le doublage américain. Mine de rien, c'est intéressant. Ah non, c'est génial. Voir un film dans les conditions de l'époque, c'est pas du tout la même chose que voir un doublage américain collé sur un master japonais. Tout à fait. Donc ça, c'est intéressant.
Vous avez également les bandes annonces, vous avez des scènes coupées. Oui. C'est assez rare pour le souligner, c'est que les kaiju ont très rarement des scènes coupées proposées dans les DVD. Parce qu'elles n'ont pas survécu. Voilà, donc c'est assez intéressant. Et vous avez même des plans qui ont été faits pour les versions internationales, donc dans des qualités plus ou moins bonnes à chaque fois. Mais assez intéressant pour le souligner, parce que c'est quand même assez rare. C'est un des meilleurs DVD que Tokyo Shock est sorti, qui est hors de prix aujourd'hui parce qu'il est complètement sold out. Il s'est vendu comme des petits pains et aujourd'hui il est à prix d'or. Vous avez une galerie de photos aussi avec beaucoup de photos de tournage, énormément de photos de tournage. C'est vraiment de la meilleure sortie. Commentaire audio de Sadamasa Arikawa aussi, qui parle des effets spéciaux. Non, franchement, en plus le master est nickel. Ouais, les masters sont nickel. Sont nickel et c'est cool d'avoir ce film sorti dans une qualité comme ça. Voilà. D'accord. Donc on parle un peu de la suite. Tout à fait. Maintenant. Tout à fait. Monstre, j'en suis certain. Je ne dis pas que Sanda et Gaïa sont frères au sens précis où les hommes l'entendent, mais je dis qu'il existe une parenté biologique certaine entre eux. Je l'ai élevé, c'était un adorable petit bonhomme. Le film a suffisamment marché quand même pour que Lato lance un deuxième film, sorti en 1966. Donc Frankenstein no Kaiju, Sanda Tai Gaira, qui veut dire les monstres de Frankenstein, Sanda contre Gaira, qui est en fait, avait été conçu littéralement comme une vraie suite à la base de Frankenstein Conquers the World. Oui. Et finalement, on se retrouve avec un film beaucoup plus complexe que ça, à la fois très proche du premier film, et en même temps, il n'y a plus vraiment de lien, il n'y a plus vraiment de rapport. Disons qu'il a tout à avoir et en même temps rien à avoir. Oui. De quoi parle le film ? Alors, le film, en fait, c'est un petit peu la même histoire, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a un être humanoïde comme ça qui apparaît et qui sème la terreur. Dans l'océan. Dans l'océan, et du coup, les marins finissent à l'hôpital, ils sont totalement traumatisés. Enfin, le scénario habituel d'un kaiju. Et des films de Honda, surtout. Et des films de Honda. Et donc, les scientifiques commencent à s'intéresser, et ça leur fait penser à un cas qu'ils ont eu il y a quelques temps de ça, et ils se disent, finalement, ça pourrait peut-être être... Le monstre de Frankenstein, qui est nommé comme ça au début. Hein. Le mec dit, il l'identifie en étant Frankenstein, alors que le monstre n'a absolument rien à voir avec le... C'est ça. Donc, par la suite, les attaques se poursuivent, et... au moment où on parvient à tuer le monstre, avec un nouvel arsenal, un deuxième monstre identique apparaît. Sauf qu'il vit dans la montagne. Voilà, sauf qu'il vit dans la montagne. Et du coup, ça va être l'occasion pour les deux monstres de s'affronter, hein, puisque l'un venant de l'océan, l'un de la montagne. Et ils ont beau être frères, si on peut dire, ils vont finir par s'affronter aux grandes dames des scientifiques. Et voilà plus ou moins le pitch. Il faut savoir un truc, c'est qu'il y en a un qui déteste l'humanité et l'autre qui défend les humains. Donc c'est surtout ça. C'est surtout ça va être une relation en totale. Ah non, je t'aime moi non plus. C'est ça. Non, tu disais que c'est une suite sans être une suite. C'est vrai que ce film, si vous le voyez tout seul, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais si vous le découvrez après avoir vu Frankenstein Conquer the World, vous allez trouver ça un petit peu bizarre. Ouais, puisque ouais, ouais. On retrouve Kumi Mizuno, on se dit ça pourrait être le même personnage, et ben non. C'est le même personnage, sauf qu'elle n'a pas le même nom. Voilà. On a toujours son coéquipier américain, qui est le bon docteur, sauf que là, Exit Nick Adams, on fait intervenir Ross Tamblyn, donc la star notamment de West Side Story. Pareil, le monstre de Frankenstein, on le mentionne, il est là, mais en fait, c'est pas lui. Carrément, on retourne la scène du premier film, on voit Kumi Mizuno élever le petit monstre, sauf que là maintenant c'est une espèce de petit bonhomme en peluche. Ouais, un petit homme singe. Un petit homme singe, mais on reprend la même scène, comme s'il fallait
re-raconter les origines du monstre, histoire de dire non mais en fait c'est pas une suite, c'est la même histoire mais c'est pas une suite à Frankenstein. On n'est pas dans un concept de reboot, mais aujourd'hui ça pourrait s'apparenter à ça. Pas loin, c'est moitié suite, moitié reboot ça. Quand même, c'est intéressant. Non, après le film est sensationnel. Quand j'ai vu ce film pour la première fois, je me souviens, c'était sur Ciné Cinéma, et ils avaient présenté ce film-là dans le cadre d'une semaine Godzilla. Et pendant tout le film, je me disais, mais il arrive quand Godzilla ? Il arrive quand ? Et finalement, au bout d'une heure vingt, je me suis dit, bon, en fait, c'est pas du tout un film de Godzilla. Et je me suis dit, mais parce qu'on l'avait vendu comme ça, donc bon, petite anecdote. C'est clairement l'un des meilleurs films que Honda ait jamais fait, clairement, parce que visuellement, c'est l'un des kaiju égales les plus travaillés. Il y a une mise en scène de dingue, les séquences de terreur, parce qu'il revient dans la dimension horrifique du genre. C'est la séquence d'ouverture avec la pieuvre. Et cauchemardesque, parce qu'on voit le marin qui est attaqué dans son bateau en pleine tempête, c'est une séquence hallucinante. Et la pieuvre, tu la vois jamais en entier, tu la vois juste soit ses yeux, soit les tentacules. C'est ça. Et ce qui doit faire la relation d'ailleurs entre les deux films en même temps. Oui. Non, et on a des moments dans ce film vraiment de pure terreur, parce que le monstre surgit toujours d'une manière, pas limite en jumpscare, mais il arrive comme ça d'un coup. Il y a ce plan, à un moment donné, on a un pêcheur qui regarde dans l'eau, et on voit le monstre se refléter, mais sous l'eau. Y a des séquences comme ça, la séquence de l'attaque de l'aéroport qui est géniale. Y a une séquence où on voit des pêcheurs en train de tirer un filet vers eux, et d'un coup le filet repart vers l'océan, et là il y a Kaira qui sort de l'eau. Il y a des choses vraiment très très belles, et en même temps il y a des moments complètement bucoliques. On voit les militaires installer leurs équipements dans la forêt, dans des cascades et tout ça. C'est une séquence qui doit durer au moins 2-3 minutes, un petit montage comme ça. Et c'est beau, c'est tellement beau, c'est très poétique. On voit ces militaires comme ça se balader dans la forêt, installer leurs câbles électriques dans la rivière et tout ça. Il y a un côté... c'est vraiment l'un des films les plus naturalistes qu'on a fait. Et la relation, j'ai envie de dire, Abel et Cain, XXL, quoi, c'est vraiment super intéressant, parce qu'on a d'un côté le grand monstre brun, le bon sauvage, le gentil, le bon gros géant, si tu veux. Oui, c'est super sympa. Et donc Sanda, et donc son double Gaïra, qui est le grand monstre vert, qui est consumé par la haine, ce monstre, il est enragé, et on sait pas quel est son problème, on sait juste qu'il est juste enragé. Mais ce qui est intéressant, c'est que au-delà d'être frères, ils ont une relation qui est pas tout à fait celle de frères, puisqu'il y en a un qui vient de l'autre. Donc c'est ça qui est intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le seul lien réel qu'il y a avec le précédent film, c'est qu'à un moment, on parle d'une main. Oui. On fait une référence à une certaine main, et on parle de cellules de Frankenstein. Et en fait, à un moment, c'est Rust Amblin qui le dit, c'est qu'on serait dans un cas de clonage du Frankenstein original, et donc Sanda et Gaïra seraient en fait des clones de Frankenstein, et la fin reste encore une fois une fin à la Honda, dans la mesure où ça reste très pessimiste, puisqu'à un moment il y a un des personnages qui dit mais ça veut dire qu'ils peuvent se démultiplier à l'infini. Ben c'est ça, et en fait c'est pas montré dans le film, mais on laisse supposer que les cellules créeraient des monstres, puis créerait des monstres, à l'infini. Ce qui est typiquement le type de scénario à la Takeshi Kimura Kaoru Mabuchi, qui te fait croire toujours que c'est terminé, mais en fait que le pire va peut-être se produire. Même chose dans l'Homme H, vous avez la même chose dans Matango, où on vous montre pas l'apocalypse, mais ce qu'on vous a montré, c'est le prélude d'un truc, c'est ça, peut-être encore pire. Et c'est vraiment, le film est vraiment saisissant. D'ailleurs, pour les fans de Sentai, le hurlement de Gaïra sera utilisé dans Bioman, pour certains monstres, notamment Piranha Kans, je me souviens. C'est vrai que vous avez des séquences où on trouve vraiment, où on voit le génie d'Honda dans ce type de film-là. Le scope couleur est juste à tomber par terre. Oui. Vraiment, la photo de Kozumi, elle est nickel. Il y a des trucs comme ça que tu n'as pas dans le film précédent, qui sont là en termes d'atmosphère, en termes d'ambiance, qui sont juste splendides. Enfin, le film, pour moi, c'est un livre d'images absolument saisissant. Les deux films se complètent. Tout à fait. En termes de visuel, en termes d'effet, les deux films se complètent. C'est une mise en scène qui est un peu plus compliquée, puisque les mecs doivent littéralement se jeter sur les immeubles. Haruo Nakajima joue Gaïra dans ce film-là. Il y a aussi un système d'éclairage qui est différent, parce qu'ils sont, cette fois, ils sont éclairés en...
en contre-plongée. Mm-hmm. Donc ça fait ressortir le faciès un peu déformé, surtout celui de Gaïra qui apparaît vraiment encore plus impressionnant, éclairé comme ça dans cette contre-plongée. Normalement, tout le film est dans les détails. Vous aurez beau voir 15 kaiju égaux avant ce film-là, vous verrez que celui-ci a une patte visuel, comme si Honda avait fait son dernier kaiju, comme il disait, bon, sur celui-là, je balance tout. Comme si, y a les films pour enfants qui vont arriver, là, donc j'ai encore une occasion de faire mon gros film de kaiju très sérieux, très premier degré. Totalement. Et moi, j'aimerais juste parler de l'héritage de ce film. Ouais. Parce que, étrangement, c'est un film qui a laissé sa marque à plusieurs égards. Notamment, il faut savoir que c'est ce film-là qui introduit les fameux canons Mazer, les canons qui sont représentatifs du Kaiju Ega, je veux dire, on les voit dans tous les films, ces fameux canons avec une parabole qui lâche un espèce d'éclair bleu, qu'on retrouvera jusque dans Godzilla Final Wars notamment. Mais par exemple, le personnage de Gaïra sera énormément présent dans les films suivants. C'est-à-dire qu'il sera soit utilisé sous forme de stock shot, notamment dans Megalon, tu l'aperçois vite fait suite à une erreur de stock shot, mais surtout, retrouve dans Godzilla Against Mechagodzilla, et surtout, on fait référence à lui, justement, comme étant le monstre qui a permis la création des canons Mazer et tout, donc il a vraiment permis à l'armée japonaise de se développer. On le retrouve notamment sous forme de stock shot, encore une fois, dans Godzilla Final Wars, au début, où on dit il y a eu des monstres qui sont intervenus. Bizarrement, on retrouve aussi Paragon juste à côté. Mais surtout, Gaïra et Sanda apparaissent dans d'autres productions de la Toho, notamment dans Godman et dans Gridman. Donc, les productions de super-héros de la Toho, notamment Gaïra réapparaît en tant qu'adversaire comme ça au gré de certains épisodes. Il avait été question d'un Godzilla versus Gargantua aussi qui n'avait jamais été fait. Qui aurait été une suite à ce film. J'avais juste un bémol sur ce film-là, sur le deuxième, malgré tout. C'est la tête d'affiche américaine. Alors, Ross Tamblyn, quand même, qui était un super acteur, qu'est-ce qu'il fout dans ce film-là? Parce que clairement, quand t'as un mec comme Nick Adams qui envoie de l'énergie, qui donne une espèce d'impulsion comme ça à ces films-là, une impulsion nécessaire, il en a rien à foutre d'être là, c'est hallucinant. Pendant des années, il a dit que bon, il a fait parce qu'il était en voyage au Japon avec sa femme, etc. Sens que le mec, il joue comme ça en fait. On a un monstre et tout, mais on se retrouve on a des monstres, on va les chasser. Vous comprenez, je pense. Et il en a rien à secouer. C'est dommage parce que le charisme, le panache de Nick Adams ici, il est complètement annihilé et je trouve ça vraiment dommage. S'il y avait une Nick Adams dans ce film-là, je pense qu'on aurait eu vraiment le masterpiece total. Et pourtant, on parle quand même de Ross Tamblyn. Je veux dire, Ross Tamblyn, c'est quand même le beau gosse de West Side Story, le mec qui a vendu le film. Les aventures de Tom Pouce, quoi. Enfin, c'est quand même. Pendant des années, c'est quand même resté un acteur phare. Donc, c'est dommage. À la limite, ça serait un acteur qui n'a pas une renommée internationale et tout ça. Bon, on peut comprendre qu'il joue comme un pied. Mais là, c'est un mec, surtout qu'encore une fois, il sort de West Side Story. Le mec, il a une réputation internationale, il ne peut pas se permettre de jouer comme un pied comme ça. Bah, c'est ça. Moi, je pense qu'il n'avait pas de respect. Contrairement à Adams, je pense qu'il n'avait pas de respect. Pour ces films-là, je pense qu'il en avait rien à faire. Alors que c'est dommage, je sais qu'il y a depuis quelques années, il a dit qu'il aimait le film et tout ça, mais putain, s'il avait pu s'investir dans le projet pour le rendre meilleur, on aurait eu un film génial. Et clairement, pourquoi le Frankenstein, le premier, fonctionne mieux en termes de perso, c'est qu'il y a une vraie alchimie entre Nick Adams et Kumi Mizuno, que tu n'as pas ici entre lui et. Entre Ross Tamblyn et Kumi Mizuno. Voilà. Heureusement qu'il y a Kenji Sahara à côté et tous les autres acteurs japonais pour faire le taf, mais c'est dommage, c'est le seul truc qui neutralise le film. Parce qu'après ça, qu'il y a des choses impressionnantes. Au début, il y a un plan où le Gaïra saisit le navire, qu'il le secoue, tout ça. Il y a vraiment, vraiment un travail de qualité. Et c'est un film qui a eu beaucoup, beaucoup de succès parmi certaines stars actuelles. Je veux dire, Brad Pitt l'a mentionné récemment, et Tim Burton a admis que c'était un de ses kaiju préférés. Et un des films préférés de sa fille, de mémoire. Un film préféré de sa fille. Et vous avez directement un hommage dans Pacific Rim au début, quand vous avez le petit chalutier canadien qui aborde un iceberg, et vous avez Knifehead qui se bat contre le Jaeger. Alors vous avez ce bateau en plein milieu.
Non, c'est vraiment un des plus beaux. Mmh. Enfin, ces deux films-là, pour moi, sont vraiment... c'est le combo gagnant, un peu. Le film est sorti en DVD. Encore une fois, on parle du DVD américain, parce que le film n'est toujours pas sorti en DVD chez nous. Alors que c'est sorti en cassette. Hein. Oui, chez Studio Canal, mmh. chez l'éditeur Canal. Tout à fait. Donc, en double feature avec Rodan, qui est sorti donc, chez Classic Media. Classic Media, qui est connu pour avoir sorti quelques Godzilla de l'ère Showa mmh. dans des qualités, dans des DVD de qualité. Énorme. Oh, oui. Et donc là, il propose la même chose pour ces deux films, c'est-à-dire que sur le DVD, vous avez la version japonaise et la version américaine. Mmh. Donc encore une fois, il réutilise la même recette qui marche, hein, qu'une recette de qualité. Et c'est peut-être certains de ces DVD-là sont peut-être les DVD les plus aboutis, je trouve. Ce qui est marrant, c'est que vous voyez que le montage d'ouverture entre les deux versions n'est pas du tout le même, mmh. en fait. Alors, ce qui est intéressant quand vous regardez la version américaine, c'est que toutes les allusions à Frankenstein ont été enlevées. Oui, elles ont été gommées, totalement. Ce qui est dommage. Ce qui est dommage, mais ce qui n'est pas illogique dans le cadre d'une réception, d'une perception américaine de ce film-là. Et ce qui est intéressant en même temps dans ce DVD-là, c'est que vous avez le fameux documentaire dont on vous a déjà parlé, le documentaire Bringing Godzilla Down to Size, qui est proposé en bonus dans ce double DVD. Réalisé par Norman England. Voilà, donc à la fois vous avez deux superbes films dans leurs deux montages, et en même temps vous avez un super documentaire, et je crois qu'il vaut plus grand-chose ce DVD aujourd'hui. Je crois qu'on peut le trouver facilement sans trop débourser. Hein. Voilà. Oui. Donc c'est sorti chez Classic Media et c'est une très très bonne édition. Voilà. Donc maintenant on passe à notre Toku Cave. C'est parti. Alors, il faut savoir que l'acteur dont on vous a parlé au début, donc Nick Adams, c'est un acteur qui est très cher justement à la fanbase de Godzilla, surtout en Occident et aux États-Unis. Et c'est un acteur quand même qui a quand même un background assez prestigieux avant d'être arrivé à la Toho. Mmh. Et toi, tu as trouvé quelque chose sur lui, en fait. Tu as trouvé un ouvrage. Oui, en fait, il faut savoir que Nick Adams, en plus d'avoir une aura, enfin l'aura qu'il a, notamment faite de sa filmographie, parce qu'il a quand même joué dans des films et dans des séries prestigieuses. Qui... La fureur de vivre. Voilà, donc quand même un acteur de talent et de qualité. Il avait fait un film que moi j'avais vu avec Boris Karloff qui s'appelle Die Monster Die. Oui, qui est un de ses derniers films parce que malheureusement il a eu un destin tragique, malheureusement. Mais surtout il faut savoir que c'était un ami très cher d'un certain Elvis Presley. Et donc le livre que je vous propose c'est The Rebel and the King, qui est en fait un essai qu'il avait commencé à écrire et qu'il a malheureusement jamais terminé de son vivant, puisqu'il relate en fait toute son amitié en fait avec Elvis Presley. Et c'est assez intéressant à lire, parce que d'une part, on a une plongée dans le Hollywood de cette année-là, et surtout, on peut voir, déjà d'une part, le voir lui sous un angle qu'on n'aurait pas forcément l'occasion de voir, mais surtout de voir Elvis sous un angle qu'on n'aurait pas forcément ou rarement l'occasion de voir. Et il faut savoir que Nick Adams, malheureusement, il y a très peu de choses qui traînent sur lui. Mmh. Voilà, il y a très peu de bouquins qu'il mentionne, il y a très peu de choses. Enfin, c'est assez dommage, il y a pas beaucoup d'informations, et du coup, ça, ce livre, c'est une petite mine d'or. Donc... comme je disais, il avait commencé à écrire ce bouquin, bon, malheureusement il n'a pas pu le finir, et c'est sa fille, donc Alison Adams, qui a décidé d'exhumer ce manuscrit, puisqu'elle l'a lu, elle est tombée dessus comme ça par hasard, elle l'a lu, elle s'est dit « c'est fantastique, il faut que les gens puissent le lire ». Ah, bénéficier. Hein. Et donc, vous avez tout d'abord donc son essai qui est donc proposé sous une forme de livre classique, mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'après vous avez son manuscrit qui est reproduit en intégralité avec les fautes et corrections et qui est annoté de sa main, et ça c'est juste impressionnant. Faudrait que je te l'emprunte ce bouquin. Voilà, c'est assez intéressant, et juste pour le manuscrit annoté, c'est un livre qui mérite le détour. Et surtout, vous avez énormément de photos assez rares. Donc voilà, vous avez des photos assez rares d'Elvis en compagnie de Nick Adams. Notamment, si vous êtes fan d'Elvis, je pense que vous allez avoir des... Ah, Natalie Wood. Voilà, là par exemple, donc Elvis et Nick Adams avec Natalie Wood. J'adore. Au milieu.
Donc voilà, même en tant que, enfin, si vous êtes fan, comme je disais, d'Elvis, il risque d'y avoir des choses qui que vous avez sûrement jamais vues. Il aura connu le roi et en même temps le roi des monstres. C'est ça. Et ce qui est juste dommage, c'est de se dire que Elvis Presley a beau être super connu, avoir la carrière qu'on connaît, c'est dommage de ne pas voir ce livre. Au moins édité en France. Dire en France, on sait qu'il y a quand même une base de fans de Elvis qui est quand même impressionnante. Et c'est dommage de ne pas le voir arriver en France. Donc c'est un livre qui est disponible à l'achat aux États-Unis. Mais encore une fois, juste, même par pure curiosité, moi je vous conseille de lire ce livre. Surtout que, voilà, honnêtement, ça fait à peine 100 pages. Hein. Oui, c'est ce qu'il y a rapidement. Voilà, son texte fait à peine 100 pages, puisqu'après vous avez le manuscrit. Vous avez une superbe introduction de la fille de Nick Adams qui revient sur la carrière de son père et qui a honte de rien, c'est-à-dire qu'elle parle des Godzilla comme elle parlerait de la fureur de vivre. Enfin, voilà, il n'y a pas de segmentation. C'est vraiment très intéressant, franchement. Bon, voilà. Nick Adams, on le connaît malheureusement pas trop chez nous, ou du moins pas comme on devrait le connaître, je pense. Mais ce livre-là, si vous avez l'occasion, procurez-le-vous, parce que franchement, il vaut vraiment le détour, et au moins une lecture 5 pouces de ce livre-là. Bon, ben parfait. Voilà. Bon, ben merci pour ce petit tour d'horizon sur le bouquin sur Nick Adams et le King. Voilà. Et maintenant, donc, on parle du Dico. Oui. Dans ce Dikotoku, on va vous parler d'un homme d'une grande importance, puisqu'on va vous parler de Monsieur Tomoyuki Tanaka, donc le producteur des films Godzilla. Et donc c'était l'occasion un peu de fermer le cycle qu'on a inauguré cette année avec les quatre pères de Godzilla, puisqu'on vous avait parlé de Inoshiro Honda, vous avez parlé d'Eiji Tsuburaya, Madame Ifukube avait parlé de son père, ouais. Et enfin, là, il restait plus que lui, donc c'était l'occasion rêvée. Donc Fabien. Bah, c'est un petit peu la séquence émotion là, parce que je pense qu'on serait pas là sans ce monsieur d'une certaine manière, parce que c'est un peu grâce à lui que Godzilla et que tout un genre a été créé au Japon. Hein. Il faut savoir que Tomoyuki Tanaka, donc, qui est né en 1910, a été diplômé donc, de la Kansai University, et ensuite il a rejoint la Toho. En 1940. Voilà, il a rejoint la Toho donc, peu de temps après, donc en 1940 toujours. Et est devenu donc jeune producteur. Mm-hmm. Dès les années 40, il a commencé à produire ses premiers films, ce qui était quand même pas évident quand même, en sortir de la guerre. Il bossait à l'époque sous l'autorité de Iwao Mori, qui était mm-hmm. le grand ponte de la Toho, hein, donc qui était et c'était lui qui validait aussi les projets, quels films il fallait faire. Et c'est grâce à lui que Honda, Kurosawa et les autres sont aussi arrivés à la Toho, Monsieur Mori, donc ça aussi encore une autre personne importante. Et donc il rencontre pour la première fois Honda en 1952 à l'occasion d'un film qui s'appelle L'homme qui est venu au port, qui est un drame maritime avec Toshiro Mifune, Takashi Shimura et Hiroshi Koizumi quand même. Oui. Il a encore produit un autre film de Honda qui s'appelle Adieu Rabol, qui était en fait un mélodrame de guerre sur des pilotes qui tombent amoureux entre deux missions navales, deux missions pardon aériennes, excusez-moi, puisque ce sont des pilotes. Et Tanaka, en 1954, ben, il a un projet sur les bras qui s'appelle Au-delà de la gloire, hein, qui est un projet de film de guerre qui doit tourner en Indonésie. Oui. Iwao Mori a dit ok, on le fait, mais il y avait beaucoup de problèmes à l'époque puisque les relations entre le Japon et l'Indonésie n'étaient pas très claires. En fait, c'était l'histoire d'un pilote, enfin d'un soldat qui prenait fait des causes pour la révolution indonésienne en pleine Seconde Guerre mondiale. Ryo Ikebe devait jouer dedans, mais il y a eu pas mal de problèmes. Apparemment, le gouvernement indonésien n'a pas validé le script. Il y a eu des problèmes avec le passeport des acteurs. Enfin bon, il y a eu plein de trucs qui ont fait que le film ne s'est pas fait, qui devait être réalisé par Shinichi Taniguchi, donc l'un des jeunes réalisateurs importants qui de la Toho. Qui avait fait Au-delà du col enneigé. Tout à fait. Donc le film s'est pas fait, et du coup, Tanaka se fait retrouver avec une date de sortie et un budget pour un film qui n'existe plus. Mmh.
Et là, il a la pression vis-à-vis de son employeur, et donc il doit faire un film. Et la légende veut qu'en rentrant au Japon depuis l'Indonésie, il ait eu cette idée de Godzilla en regardant à travers le hublot, et il imaginait, et si... Apparemment, il aurait vu quelque chose, soi-disant... Voilà, et si une créature surgissait de l'océan et se mettait à attaquer le Japon. Ça, plus mêlé aux faits divers du Dragon Chanceux numéro 5, donc ce fameux bateau, ce fameux bateau de pêche qui a été irradié par les bombardements américains. Il tenait un truc qui pourrait donner un grand film. Et en fait, il est allé voir Tsuburaya pour lui dire, est-ce que c'est faisable, selon toi, de faire un film de monstre? Tsuburaya a dit, ok, on peut le faire, mais il faut utiliser certaines techniques pour le faire dans les temps, donc, c'est-à-dire pas de stop motion, mais plutôt de suit motion, donc homme dans le costume. Iwomori, le grand pompe de la Toho, a dit, ok, on le fait, ouais. mais avec ça, il faut lancer une campagne de publicité énorme. Donc Iwomori a dit, on le fait, mais on le fait puissance 10, tu vois. Et à la base, c'était Taniguchi, encore une fois, qui avait été embauché pour faire le film, mais il était indisponible, parce qu'il tournait un autre film. Donc du coup, Honda était disponible pour faire Godzilla. Et ce qui s'est passé, c'est que le film a tellement marché que ils ont dit banco à la science-fiction, à la Toho. Donc du coup, on a eu le film de Yeti, donc Alf Human, on a eu Rodan, L'Homme H, The Mysterian, Gorath. Donc voilà, tous ces films-là, aussi bien le Kaiju Ega que les films de science-fiction spatiaux, que les films de mutants, c'est Tanaka qui les a produits, ça parmi autant de choses. Et au début des années 60, tout en continuant à produire fidèlement ce type de film, au contraire, Tanaka, c'est lui qui adorait ce type de film-là, c'est lui qui s'accrochait aux franchises Godzilla pour les faire perdurer. Il a produit les films d'Akira Kurosawa, les Yojimbo, Sanjuro, les Salauds d'Antampé, Entre le ciel et l'enfer et Barberousse. C'est Tanaka qui les a produits. Tout à fait. Kagemusha, Palme d'Or à Cannes en 1980, nominé à l'Oscar du meilleur film étranger. C'est Tanaka qui l'a produit. Tous les grands films de science-fiction des années 70, comme La Submersion du Japon ou Espy, c'est lui qui les a produits. Oui. Les Godzilla, il a continué à les produire, il a même fini à l'hôpital à un moment donné, il a continué à les produire bon gré mal gré, alors que le studio ne voulait plus en entendre parler, mais c'est lui qui a dit non, il faut les continuer. Oui. Il a continué notamment, il s'est retrouvé à l'hôpital pendant la production et le tournage de Godzilla contre Edora. Il aurait incendié le réalisateur Yoshimitsu Banno en disant « Tu as ruiné la franchise Godzilla, je ne te laisserai plus faire de film. » Ce qui montre la puissance qui est devenue Tanaka à cette époque-là. Cette puissance aussi qui s'est manifestée par La Submersion du Japon, qui a été l'un des plus gros succès au box-office japonais des années 70. Donc c'est-à-dire l'aura que le mec a pris. C'est lui aussi qui a produit House, ce fameux film de Nobuhiko Obayashi, qui est devenu là aussi, qui a posé de nouveaux standards pour le cinéma japonais de l'époque. C'est lui qui a ressuscité Godzilla en 1984 avec le fameux Godzilla 1985 ou Return of Godzilla, où, pareil, lui s'est mis beaucoup en avant pour dire, voilà, on va faire un nouveau Godzilla avec des technologies modernes, avec, oui, l'homme en costume, mais aussi avec un robot Godzilla, avec des systèmes hydrauliques et tout ça. Donc, il savait non seulement faire perdurer son personnage, mais il savait comment le vendre aussi. Et puis il n'était pas bête, surtout. Non, il était... Certes, il savait comment le vendre, il savait le faire perdurer, mais si c'était la fin, il savait que c'était la fin. C'est ça. Mais il a été aussi suffisamment intelligent pour faire un break entre les deux périodes de production, entre 75 et 84. C'est ça. Et c'est lui qui, personnellement, a produit tous les films de l'ère SAI. D'ailleurs, le dernier film qu'il a produit avant de décéder, c'était donc Godzilla versus Destroyer en 1995, qui est une parfaite porte de sortie, je trouve, symboliquement pour un producteur de cette carrière. 85 ans, le mec. 86 même. 85, ouais, 86. Et il est décédé en 1997. D'un AVC. D'un AVC, ouais. Et le film Godzilla de Roland Emmerich lui rend hommage. Malheureusement. Voilà, c'est pas grave. c'est pas grave. Ouais. Mais tout ça pour dire que M. Tanaka fait vraiment partie de ces
ces producteurs monstres, quoi, ces bêtes de cinéma qui avaient un esprit, je pense, assez frondeur. Un mec qui dit, bon, ben, on va créer un nouveau truc pour le cinéma japonais, on va créer un nouveau truc. Et qui a créé un maximum de... Il a créé un genre, quand même. Il a créé la science-fiction japonaise, littéralement. C'est lui qui a eu, j'ai envie de dire, les coronets d'arriver sur la tête, de dire, on va faire un film avec un dinosaure géant, les mecs. Non, non, mais arrête ton délire, ça va jamais marcher. Et le pire, voilà, c'est qu'il y a cru, ça a marché, et puis il a produit... Tout ce qui a suivi après, tous les succès qu'il y a eu après, c'est lui qui les a produits. Les Frankenstein, les War of the Gargantua, c'est lui qui les a produits. Avec des Américains, mais c'est lui qui les a produits. Oui, bien sûr. Mais c'est ça de voir cette ténacité, en plus cette fidélité au genre. Il y a très peu de producteurs, je pense, à l'époque, qui étaient aussi fidèles au genre de manière assez régulière. Surtout pour faire des films de série A, quoi. Oui. Tu vois, les mecs, ils vont chercher, on va chercher les Takashi Shimura, les meilleurs acteurs japonais pour les faire figurer dans des films de SF, quoi. Oui. Parce que j'aurais... Ils n'avaient pas honte, hein. Non, non, mais c'est comme si tu avais... Ils n'avaient pas honte de... Non, non, ils le faisaient. Mais aussi parce qu'au Japon, il y a cette logique aussi de fidélité et de hiérarchie. Oui. Puisque, bon, bah, Tanaka a été un inférieur, entre guillemets. Oui. Et quand il est devenu le boss... On t'explique que des mecs comme Jun Fukuda devaient réaliser Godzilla parce qu'ils avaient une faveur vis-à-vis de ce producteur-là qui leur a mis le pied à l'étrier. Et voilà, quoi. Donc ce mec-là a clairement financé, soutenu toute la création d'un imaginaire japonais. Et je pense qu'on le remerciera jamais assez pour ça. Oui. Voilà. Eh bien voilà, c'était un peu une bio un peu express de Monsieur Tanaka quand même, mais il fallait en parler. Bah oui, forcément, grand homme. Donc c'est l'occasion de malheureusement de se quitter, mais avant de nous quitter, j'aimerais juste vous parler de Génération Tokusatsu, donc l'album qui est sorti dans la collection Télé 80 il y a quelques semaines déjà, mais on n'avait pas eu l'occasion d'en parler, donc qui regroupe tous les génériques de Tokusatsu, enfin les génériques français de Tokusatsu, donc ça va de Sankukai à Xor, Spectreman, Bioman, les deux versions, la version Michel Barouille et la version de Bernard Minet, et les génériques AB. Il y a même 5 inédits dessus, donc notamment Scheider, Charivan, les deux génériques d'Ultraman et Jaspion. Donc voilà, tout a été mis sur ce disque, donc tous les génériques et les musiques composées par Eric Chardin pour Sangukai. Donc voilà, c'est sorti dans la collection Télé 80. On voulait quand même vous en parler. Ce sera donc là pour le moment, c'est disponible sur leur page Facebook, mais ce sera disponible sur Amazon, dans les Fnac à partir du 25 novembre. Donc voilà, Génération Tokusatsu. Donc tous les génériques de Tokusatsu sur un CD, tous les génériques français, pardon, je précise, sur un CD donc, qui regroupe donc 28 titres. Ben, très bien, ben, écoutez, bravo Jordan. Mais il me semble, Jordan, qu'il y a encore une petite annonce avant de laisser nos amis. Et oui, puisque au Paris Manga, donc les 4, 5, 6 novembre, il y aura donc deux acteurs, bon, des acteurs de Power Rangers, certes, il n'y a pas de japonais cette fois-ci, mais c'est quand même des acteurs de Power Rangers, et donc c'est peut-être intéressant d'aller... T'es content, toi ? Bon... Moi je suis content parce qu'on va pouvoir interviewer des gens de cette partie du genre, et donc on aura peut-être des informations. Ça peut être intéressant. On pourra peut-être avoir des informations sur le montage de ces séries, sur comment on tourne l'alternance entre les plans japonais et les plans américains. Ça peut être très intéressant. Donc non, plus sérieusement, voilà, on tenait juste à vous dire qu'il y aura quand même deux acteurs qui vont venir au Paris Manga, donc Steve Cardenas, donc le Mighty Morphin Rouge 2, le Zeo bleu, et Azim Risk, donc le Mega Force noir. Donc deux générations comme ça d'acteurs qui se rencontreront leurs fans. Donc voilà, c'était l'occasion de le dire. On sera au Paris Manga, donc si vous avez l'occasion d'y passer, n'hésitez pas à venir. Donc en tout cas, là, on en a fini avec cette spéciale Halloween. L'an prochain, on parlera peut-être de films de Dracula ou de films de vampires. On essaiera de trouver ça d'ici. On a un an pour trouver. Voilà. Et donc, en tout cas... On se laisse comme ça, submergé par la musique de Monsieur Ifukube, et on se dit à bientôt au Paris Manga, donc prenez soin de vous et... Oh, pauvre mortel.